Salut tout le monde, c'est l'heure to play. Oh yeah, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va super méga bien. Toujours en ce début de vacances. Il fait beau, il fait chaud. Non, je déconne, en fait il fait moche et il fait limite un petit peu froid. Non, en fait il fait lourd quoi. Bon bref, on en a rien à taper et on se retrouve pour du StarCraft 2. Yeah. Et tout d'abord, je voudrais vous dire un énorme... Je vous déteste. Je veux que vous alliez au diable. Non, je déconne. Que je vous aime beaucoup, puisque, oui, en effet, je ne sais pas pourquoi, en l'espace de 2 jours, j'ai grimpé de 20 abonnés en 2 jours. J'ai pas compris ce qui s'est passé. J'arrive, je rentre, j'ouvre ma boîte mail, 49 messages alors que d'habitude ils sont à 36, oui c'est chelou, bref on s'en fout, j'ai fait wouh, et là je vois des messages, des commentaires, des abonnés, ben, moi je vous dis merci, on était passé de, je sais plus, de 300, j'en sais, je sais même plus, 300 et des 25, 330, je sais plus ça, je sais plus combien là, un truc comme ça, et on est passé à 353 à l'heure où je vous parle. Et franchement, je vous remercie sincèrement, là, ça grimpe à une vitesse folle. Depuis 2 jours, attention, il y a du level. Bientôt les 400 peut-être, ce qui est beaucoup mine de rien. En tout cas, j'espère que mes vidéos vous intéressent, si c'est pas le cas, vous ne seriez pas là. Hein. Enfin, j'ai envie de dire, bah, c'est un peu normal quoi. Mais bon, si jamais il y a des soucis, vous trouvez que ça se détériore, que c'est pourri, c'est de la merde, hein, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Par contre, vous pouvez mettre un pouce rouge, mais expliquez au moins, parce que sinon, voilà quoi, c'est pas super sympa. Bon, enfin bref, on a pété. Moment pour un plan audacieux et infaillible. Effectivement, là, il n'y a plus le gros tas là, qui était là en armure. Là. Ticus, il est plus là, cette espèce de sac à bière. Là. Par contre, Tosh. L'UNN sera peut-être jamais avec vous, mais maintenant, l'odeur du sang les attire vers Mengs. Ah oh, oui, l'odeur du sang. C'est bon pour nous. Oh yeah. Bon, les infos, let's go. Ici Kate Lockwell, en direct de Coral. La ville est en proie aux émeutes. Oh ! Suite aux révélations faites plus tôt dans la journée, des citoyens expriment leur choc et leur colère en mettant le feu aux bâtiments gouvernementaux. Fuck Metz ! Fuck le Dominion ! J'avais un frère à Tarsonis. Oh. J'avais un frère là-bas. Oh, c'est con. Très bien. L'empereur Mengs a fait une déclaration il y a quelques heures. Malheureusement, les transmissions satellites de l'UNN étaient alors bloquées. Ah, c'est con. Repassons un extrait. On se demande pourquoi. Cette preuve a été falsifiée. Mon cul, oui. Les ennemis du Dominion feraient n'importe quoi pour souiller ma réputation. Oh. Ces attaques infamantes et impitoyables ne peuvent... L'empereur a ensuite quitté la salle sous les huées. Il est depuis retranché dans son palais et refuse de parler à quiconque. Retranché, tu sais, il se touche la nuit toute la journée, tu sais, il regarde le foot. Oh, ça coupe. Ah voilà, c'est le drame. Là, il y a un genre, il y a un kéké qui s'est accroché à l'antenne au-dessus, tu vois. Enfin bref, let's go to the armory pour voir si on a des trucs à s'offrir. Oui, puisque c'est les soldats. On va se faire plaisir. Tu vois ? Ah ouais, je vois là. Je t'avais dit que je pourrais construire un truc mieux que cette saloperie d'Odin. J'aime bien ta façon de voir les choses, mon pote. Il reste encore un peu de boulot sur le châssis, mais j'ai déjà quelques améliorations et quelques variantes en tête, tu vois. Non. Ça va pas être donné, cowboy. Pas pour un gros bastringue pareil. Mais ça vaudra le coup. Tu verras. Ouais. C'est plaisir à entendre. J'irai regarder ce qui est dans nos moyens. Je sais pas si vous avez remarqué la carrure des types quand même, mais putain, c'est du bœuf là, hein. Là c'est testostérone, hein. Il y a de la viande là, il y a de la viande. Ok, bon, vaisseau, Dominion, alors, oh Thor, bon, on va améliorer le Thor, tiens, on va en profiter, canon à tir de barrage, 330 mm. Bah tiens, on va voir ça, 130 000. Ah ouais, c'est pas mal ça. Les torts des... Oh oui, ça c'est bon ça. Ah, voyons voir ce que ça donne. Oh oui, ça c'est bon ça. On va prendre ça, ça a l'air d'être épique. Voilà, comme ça, ils se reconstruiront automatiquement. Genre, bullshit le plus total. Ouais, on verra ça. Ça va être bon. On prendra... Acheter. Ah ouais, d'accord, ok.
Ok, bon bah c'est parti, on va faire un tour au laboratoire sans plus tarder. On peut faire une mission de cristal, alors ça, est-ce que ça a changé quelque chose là? Ouais, ça a poussé. Je bloque sur cette sphère anormale au-dessus du cristal. De toute évidence, c'est un émetteur d'énergie, mais avec de telles propriétés de conservation que le cristal peut y puiser. Que le cristal peut y puiser l'énergie lentement par un moyen que je ne comprends pas. Ça me donne une idée. Oh. Ampoule ! En utilisant notre propre technologie de confinement, je pourrais modifier notre procédé de fabrication de VCS pour en doubler l'autonomie sans risque, enfin, je crois. Oh yeah ! Eureka, tiens, j'avais jamais vu. Je m'en souvenais plus quand ça s'écrivait Eureka, bah j'ai la réponse maintenant. L'énergie du cristal n'est pas stockée dans un vortex. En fait, il l'a déplacé tellement vite à l'intérieur de sa propre motrice que je ne pouvais pas le détecter. Par une étrange coïncidence, le transfert s'est ralenti assez pour que mes capteurs le révèlent. Je ne sais pas trop comment, ni pourquoi. Et chaque fois que je suis à court d'idées, il se passe quelque chose par... Trois petits points. Hasard, trois petits points. Et je fais une nouvelle découverte. Est-ce... Le cristal qui m'aide, manifestement je travaille trop, je vais aller prendre quelques crédits à Lost Viking. Ouais, fais ce que tu veux. Par contre le truc Zerg là, il a dû grossir cette espèce de merdasse là. Les chantiers Zerg a développé ensuite des membres, il y a une... Oh, on s'en bat les steaks, on a déjà vu. Qu'est-ce que t'as à nous dire? On lui a bien botté les fesses à Mengsk. Excusez-moi, je ne m'exprime pas comme ça d'habitude. Oh! Ah ouais, elle est comme ça elle, ok. Ah ouais, non, je la voyais pas. Non, mais c'est bon, je la voyais pas comme ça. Non, mais voilà. Enfin, hein. Bon, on a rien débloqué niveau recherche? Non, absolument rien. Bon, ok, bah. Let's go. Par contre, est-ce que l'on fait une. On va regarder ce qu'on a type mission cristal. Oh, c'est intéressant. Après avoir rassemblé des alliés, nous avons fait route vers le monde archive interdit de Zakul. Là-bas se trouvait un triumvirat de conservateurs mystiques. Mais dans l'ombre, quelque chose d'autre était aux aguets. Ah, j'hésite. Ah, ça me tente. Mais bon, j'ai envie quand même de faire une mission, là. Non, écoutez, on le fera la prochaine fois. Ça daille, ah là 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 là. Oh, ta gueule. Ah, ta gueule, voilà. Il est là, Ticus. Ouais, on va faire plutôt une mission, je vous promets qu'on fera... Alors, t'envisages d'abandonner cette vie de luxe pour aller faire carrière dans les médias? Non, les gens n'ont pas... Oh, en violent. Alors là, c'est du clash, mais... Dans leur petit clash en direct. Mon créneau, c'est ici, avec toi, mon pote. Oh, c'est beau. Je suis content que tu sois avec nous, Ticus. Kiss me, bitch. T'as vraiment fait du beau boulot aujourd'hui. Ah ouais, je sais, attends, oh. Alors Matt, tu prépares un autre coup. Tu sais, il a disparu derrière Ticus, pas encore, commandant. J'estime que nous devons nous consacrer d'abord aux Zergs. Renverser Mengsk ne servira à rien si nous ne pouvons pas les battre. Ouais, t'as raison. C'est fin comme raisonnement. La liberté ne vaudra plus grand chose si Kerrigan nous tue tous. Mengsk peut attendre un peu. Faut faire gaffe, faut le surveiller, Zigoto, hein. Le mec, le Gus, là. Ah, on n'a plus que deux missions, bah tiens, ça tombe bien, voilà, comme ça, la prochaine. Donc, ça c'est quoi? Recherche Zerg. La reine des lames a fini par comprendre qui nous payait pour partir à la cueillette aux artefacts. Le grand Manitou de Möbius, le docteur Narud, dit que les Zergs s'en prennent à son complexe de recherche universitaire sur Tirador. Et il peut pas faire évacuer tant qu'il a pas mis ses travaux sur les artefacts. Alors on va faire ça, je pense. Ouais, c'est une bonne idée. 3 programmes de recherche Zerg, on va le faire. Non, les Medivacs, c'est parti les amis, on va débloquer les Medivacs. Oh. Ah, commandant Raynor. Oui, c'est moi. Étoiles, vous êtes venus. Il y a quelques années, votre réputation de Marshall était irréprochable. Ouais. Je sais que vous ferez le maximum pour nous aider. Ouais. La réputation, pardon. Ça fait un bail quand même, docteur. On dirait que vous avez un sacré problème de Zerg par ici. Non, c'est pas vrai. Qu'on va faire pour vous aider? C'est des Zerg en plus. Oh, oh, pas mal de petits équipes que j'ai envoyé purger les noyaux de données de la Fondation n'est rentrée. Il faut que vous détruisiez ces noyaux avant que la Reine des Lames ne les trouve et n'y découvre les coordonnées des autres artefacts. Putain, il a une espèce d'accent. Des coordonnées des artefacts. Il a un mini-accent... Je sais pas, c'est... On dirait un accent russe un peu raté. Genre... Oh! Holy shit! Très bien, Doc. On est plus pressé que ce qu'on fait. Faut y aller. It's me, motherfucker. Oh là là là. Le facteur Möbius. Elle est juste. On dirait une espèce d'Afrique un peu. Ouais, un peu modélisée, quoi. À la limite. Mais l'image est très jolie, hein, franchement, il n'y a rien à dire.
Attaquer les unités depuis une hauteur, empêcher l'ennemi de riposter jusqu'à ce qu'il puisse voir vos unités. Ah, c'est ce qui m'est arrivé dans l'épisode précédent. Quand ces espèces d'enfoirés avec des crotales là et des vikings m'attaquaient d'une corniche, sauf qu'ils étaient dans l'ombre, moi je pouvais pas les viser, ces espèces de petits enfoirés là. Et résultat, je m'étais fait un peu couiller là-dessus, j'avais perdu un tort, je crois, ou une connerie comme ça. N'empêche, hein, j'avais amené un petit. Je sais plus ce que c'était, un. Je sais plus, c'était un vaisseau, un truc à la con. Bim! Il en restait plus. Ouais, je viens de taper dans le micro. C'était terminé, plus rien n'a d'attaque. N'empêche, la mission d'avant. Oulala, là là, désolé, ça c'est mon téléphone. J'y m'excuse. Désolé. Ah oh, fuck, ça c'est bon, c'est pas grave. Ok, let's go! C'est party, bitches! Oula, il y a un espèce d'effet bizarre quand même là. Ok. Déjà? Ok. Bon bah c'est nickel, on va tout de suite développer. Capable de laisser tomber. Pas vrai, Jim? Ah ouais. Tu as été stupide. Ah ouais. Je sais. Je reste pas longtemps, chérie. Mais que je sois maudit si je te laisse obtenir ces artefacts. On va direct construire le Vespen, comme ça ce sera fait, on l'aura en réserve, vu que là je compte utiliser à peu près tous les. Je vous donne le contrôle de nos médivacs, commandant. Ah, il a un accent, vous pouvez les utiliser pour transporter vos hommes en ville en évitant la plupart des ergues. Ah bah c'est bon. Paré au décollage. D'accord. Oh et d'accord, ils sont juste là, il y a du mucus là, il y a de la daube là. Bah écoutez, on va faire du médivac en masse hein, alors. Ah oui. Ah non, là, c'est des potes, ça. Je croyais que c'était des Baidlings, ça. Oh, putain. Oh, ils sont swag. Oh, les boucliers et tout. Ah ouais, mais c'est des facochères. Ouais. C'est bien ce qui me semblait. Bon, bah, sans plus tarder. Hein? Sur le toit? Eh? What? Ah ouais, d'accord, ok. Faut qu'on aille les libérer. Bah, écoutez, on va faire hop, tac. Voilà, des réacteurs pour faire ça à la chaîne. Production, oulalala, c'est pas assez. Hop, toi tu vas aller. Ouais, tu vas nous faire un petit truc des. Je sais plus comment ça. Ouais, un dépôt de ravitaillement, un petit supply là parce que. Hein, voilà. Oh, la fumée rouge qui sort là, what the fuck. Et donc on va faire. Ah merde, il nous faut une armurerie. Bon, on va faire des torts juste après parce que c'est apparemment c'est bien contre les unités biologiques. Donc les ergs. Et en plus, ça fait unité aérienne et unité au sol. Donc c'est pratique. Ah, accès aux données de Kerrigan dans 8 minutes. Ok, donc en gros, détruire le noyau des données. D'accord, doit accéder à un niveau. À un noyau. D'accord. Ok, bah écoutez. Bon, on va remplir le médivac là, voilà. On va faire la masse de. Et on va faire le petit. Bon, on va pas encore faire de médivac encore, mais on va attendre de. Toi, tu vas nous construire une. Ah non, ça c'est pas un centre technique, une armurerie, voilà. C'est le mot que je cherchais. Alors on peut rien améliorer. Évidemment. Ah, on va faire une. Oh, j'oublie tout le temps le nom en anglais, le centre technique, voilà. Je perds mes mots. Tout va bien, c'est la teuf. Donc je disais, ouais, on va faire le machin là. Le centre technique et on va améliorer nos petits marines. D'ailleurs, j'attends que j'ai de la thune, hein. J'envoie la sauce, hein. Si je puis dire, bien sûr. Hein. Allez hop! Expédition! Let's go! Ça, on va le faire juste après. C'est pour une urgence? Oula, pardon, si je vous ai niqué les oreilles. Ah oui, d'accord, mais. Ah ouais. Ah, mais... Ouais, fuck. Faut que j'ai envie d'un. Et maintenant? Merci de passer par là. J'étais presque à court de munitions. Blablabla. On va aller là. Ah, mais attendez. Ce qu'on va faire, c'est. Terminus, tout le monde descend. Oh shit, ça fait mal cette connerie. Dites-moi tout. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, ouais, on va tout déposer et on va faire mission sauvetage en fait. Voilà. Et ça, on va aller le faire désinguer des ergs là. Voilà. Ça, tu vas nous ramener ça ici. Oulala, oulala, oulala. Ça bloque. Hop, voilà. Faites-nous la masse de tac. Comment s'appelle cette daube là? J'ai oublié. Allez, toi tu vas là-bas. Donc apparemment, on va falloir tout trouver. On va bousiller ce mucus.
Tac. On va bousiller ce mucus là, comme ça ils se déplaceront à deux à l'heure. Ouais, ça fait. Ouais, l'Espagne ça fait très mal. Hein. Par contre, s'ils attaquent pas ces espèces d'idiots. Bon, let's go. On va un peu déblayer la route. Ah, il y a même des métros, tu sais. Donc, on va construire la masse, disais-je. Armurier, on va faire des torts. Ah, mais ça vaut la peau du zboob. Tac. Hop. Qu'est-ce que tu mijotes, Jim? Je sens que tu essayes de me cacher quelque chose. Non. Terminus, tout le monde descend. Tac, on va déposer ça ici. Voilà, comme ça on déboîte ça. Et on pète ces machins. Ah d'accord, j'ai 5. Ah oui d'accord. J'ai 5 minutes avant qu'elle accède à ce bâtiment. Donc je dois me grouiller quoi. Donc ça tombe bien, on va aller là. Donc je vais essayer de me grouiller. Toujours plus de VCS. Ce qu'on va faire là, c'est que vu qu'on a un peu d'argent, tac, on envoie. Et juste. Ah, attends, j'ai pas assez de minerais. Voilà. Tac. Et dès que j'aurai de quoi faire un tort, on enverra un tort. Prêt à embarquer ? Ok, bon. On va amener notre petite. Ah, merde. Ah, ils ont pas pété le machin. Il y avait des mutas. Shit. Bon. C'est pas grave, on va faire Ah putain, merde, là, j'ai pas géré là. J'ai pas géré mon coup là, cette connerie. Vous êtes arrivé. Et maintenant, tac. Merde, j'ai fait une grosse connerie là en fait. J'ai fait. Merde! Putain! Connerie! Ah là 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 là. Je fais que de la merde. Je suis désolé, les gens, mais c'est vrai, je fais que de la daube. Écoutez, on va tout. Putain, faut que je me mine là. Putain. Tu vas déposer tout ça ici et on va aller péter cette espèce de daube là. Hein? Voilà. On fout ça, voilà. Oh bah on peut mettre 33, bah largement, c'est large. Tac. Et merde. Et ils attaquent ces saloperies en plus. Que quelqu'un me sorte de là. Putain. Allez, crève. Allez, on va péter ces mecs là. Allez hop, petit coup de stimulant. Ça fait toujours du bien. Tac, tac, tac. On fait ça gentiment, on pète tout. Ah putain. Ils vont pas me la détruire, ça, quand même. Allez, on détruit cette merde. Aide-moi. Continuez à avancer, allez, les gars. Mais bien sûr. Les noyaux de données, Moebius. Tu n'auras pas les autres. Ah, putain, ils vont me péter ma caserne, les espèces de sagouins, là. Pas où sont les autres noyaux. Voilà, ils m'ont pété ma caserne parce que j'ai fait le débile. Ah là 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 là, ça va pas. Et merde, et voilà ce qui se passe quand on fait le con. Hop. Lui répare. Oh, il est fou le VCS. Oh, il est fou. Oh, il est fou. Un brutalisque. Statman voulait une de ses créatures pour ses recherches. Je pense qu'on peut lui rendre un petit service. What? Comment ça? Ah ouais. Ah bah ce qu'on va faire à coup de... Bah ouais, pas de problème, attendez. Ce qu'on va faire... Putain. Fais chier. Commandant, il faudrait vous occuper de ce ver de Nidus. Oh submergé. Putain. Oh merde. Ah putain, je fais n'importe quoi là, ça s'annonce très dur les amis. Hop. Ça, tu vas me péter ça et on va aller vite faire voilà ça parce que là faut que je double ma capacité là, c'est pas possible là. J'ai largement pas assez de production. Bah, écoutez, hop, on va faire tous les tags, voilà, on a tout fait là. Ok, voilà, c'est bon. Bon, on a je sais pas combien de temps. Bon, ça, on va péter cette daube.
Donc voilà, on va tout embarquer là. Paré au décollage. Voilà, ça déjà. C'est pour une urgence. Bien reçu. On va tout débarquer ici. Voilà. OK. Ça, tu fais ça. Je suis là, à moi. D'accord, OK, c'est bon. Quelqu'un me sorte de là. Mais non, vous inquiétez pas. Hey, mec, on a besoin d'un peu d'aide en bas. Oh merde. Oh la connerie, oh la connerie. Champ de minerai épuisé. Putain. Oh, j'ai fait le con. Cette merdasse, putain. Cette merdasse. Ah, je me suis fait couiller là. Là, je me suis fait littéralement couiller, les amis. Ces enfoirés, ils ont fait des... Ah, putain, je suis vraiment teubé. Oh, c'est fun comment il... Écoute, on va passer par là. Ah, je suis dégoûté. Les amis, là, sincèrement, là, je rage, hein. Il faut qu'on aille buter cette saloperie, là, aussi. Pardon pour mon vocabulaire, mais bon. C'est vrai, quoi. On n'a pas pu atteindre le noyau de données. Aidez-nous. J'attends les ordres. T'inquiète pas, Robert, je vais t'aider. On va d'abord aller péter ça là. Bien reçu. Oui, chef. Alors, tes ordres, ils arrivent. Ordre reçu. Bien, commandant. Écoute, on va péter tout ça là. Tu n'as jamais su reconnaître une cause. Et hop, on produit. Jim, pas vrai? C'est toi la cause perdue. Ouais. Oh là là, arrête de discuter, machin. Arrête de discuter. Ah, par contre, ça on pète. Ça on pète vite. Vite, on pète. On pète. Et on va aller choper ce brutalisque de mes deux. On va vite faire une armée. Mais non, ça c'est dans ta tête. Eh, hey, mais. Voilà, voilà. J'ai vu clair dans ta pitoyable mascarade du docteur Narud. On va tout leur déglinguer. À quoi servent ces artefacts? Mais c'est toi l'artefact. Mais c'est toi l'artefact, putain. Je suis sûr, tu mettras pas la main dessus. Mais non. Cette reine des lames est vraiment agaçante. T'as vu, c'est une chieuse, hein. Faut pas croire, hein. Oh. Eh, il croit que c'est le monde des bisounours, là, hein. Non, en fait, faut pas croire, hein. Ouais, c'est une coquille. C'est vraiment une coquille. Oh là là, ils font chier là, décidément là. On va péter ça là, cette daube là. Eh merde, non, ça c'était pas le bon plan par contre. Ça c'était... Putain, mais... Voilà, on a 20 minutes pour le dernier, voilà. On va pas se presser. Écoutez, ce qu'on va faire, ouais, c'est qu'on va les détruire. Ouais, par contre... Écoutez... Commandant, un autre ver de Nidus vient d'émerger près de notre base. On va aller le mettre là. Que quelqu'un me sorte de là. Ah non, non. Oh le 15 PV. Oh le 15 PV de la... Là, là c'est la déchéance, là c'est... Ah là c'est le 15 PV de la déchéance là. Ça par contre je... Et il peut soigner de loin, ça c'est pratique. Ah, par contre, il fait beaucoup de dégâts, j'ai pas prévu assez. Ah merde, faut aller péter ce machin de merde là. Donc, hop, il nous faut plus de mecs. Ah oui, par contre, j'avais pas fait attention. Ouais, j'ai plus de minerai. Ah bah, on peut aller, on peut investir la base là. On va aller tout péter là. Et merde. Donc, ça c'est foutu déjà. Ah, bon, c'est bon. On a pété tout ça. Bon, voilà quoi. Ce qu'on va faire. Ah, pétez-moi cette double là. Putain. Voilà, pétez-moi tout ça. On va tout péter, comme ça on va aller s'installer. Tiens. Donc. Voilà. Non, 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 non. Ça va, contre. Plus aux abois que je ne le pensais. Tu ne peux quand même pas croire que ce plan a la moindre chance de réussir. Mais c'est toi la noix, putain. Oh. Je te jure, les gens, aucune éducation, aucune.
Oh là là. Bon, écoutez. Alors les gens, on va Oh putain. Ah les salauds. Ces saloperies de mutalisques. Ah là 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 là. Ils sont vicieux, regarde-moi ces ergues de mort. J'ai beaucoup trop de donc voilà, ça venez. On va à ce truc de merde là là, voilà là, on va ici là, on va se faire plaise. Tac, toi t'es là, ok. C'est quoi cette daube là? Ça en pète ça? Oh, c'est quoi ça? Ah ouais. Quoi? Ce qui serait bien, c'est d'aller jeter un coup d'œil ici là, ça m'a l'air zarbe là. Ah non, c'est qu'une pub à la con. Ok. Ça déjà, tu pètes. Ah, les médivacs qui prennent très très cher. Ça. Ah merde, ça tient en l'air cette saloperie. Ok. Ok. Ça, bah ça, on envoie là-bas, hein, écoute. Voilà. Là, on va prendre des VCS. Putain, j'ai. Ce qu'on va faire, c'est ça. Attendez, il me faut. Hop. On va construire un CC, ouais, pour on va aller s'installer là-bas, écoutez. Ce qu'on va faire, c'est que ça, on va l'emmener. Et on va les péter tout ça, là. Non! Oh putain! Non, putain, non. Là, j'ai fait de la merde. Oh putain, oh, je viens de perdre un temps. Oh la merde. Je peux pas, putain, non. Je vais perdre mon tort, putain. Oh, j'ai fait le con là. Non, là, putain, ils ont une base ici, les salopios. Ah là, les salopios. Putain, les salauds. Alors là, j'ai vraiment fait le con. Oh, j'ai fait le con. J'ai fait le con, comme on dirait. Bon, bah, ce qu'on va faire, écoutez, c'est on va faire ça et on va faire des medivac parce que là, j'ai plus de medivac. Parce que voilà. Parce que je suis une daube. Voilà. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, les amis. Je suis une chasse. Voilà, elle pète. Vas-y, Kerrigan. On a 14 minutes pour se refaire. Bon, ça va. Je vais pas me plaindre non plus. Lui, il est coincé. Cette espèce de trou du cul là. Dis pas qu'il est coincé, ouais. Putain. Non mais oh putain. Ça allez hop, tu vires. Je suis là, à moi. Mais très putain. Non mais le mec, sérieux. Oh là là. Putain. Regardez-moi ce gros. Mais tu vas retourner te battre et vas-y. Espèce d'écho, espèce d'icounasse. Ah là là, regardez-moi ces gros ta. Oh putain. Et en plus j'arrive à me chier quoi. Allez hop. Mais je suis. En plus je suis stupide. Alors ça c'est encore mieux. Pourquoi j'ai construit un deuxième CC? Bon par contre là ça va être très chaud. On a 14 minutes. Ouais, va falloir envoyer la sauce là. Va falloir envoyer la sauce. Écoutez, et en plus, oh mais je suis, oh non là j'enchaîne les conneries là, c'est pas possible. Là j'enchaîne les conneries. Écoutez, on va faire un medivac dès que je peux, voyez, hop un medivac. On va se presser parce que là j'ai vraiment fait l'idiot, j'avais pas vu qu'ils avaient plusieurs bases en fait et donc je me suis fait couiller là-dessus. Donc ce qu'on va faire, ouais, c'est qu'on va, on passera par là. Quoi? Oh t'es pas sérieux quand même là. Bon c'est bon, elle est assez résistante. Hein. Ils vont pas nous. Oh non. Ça par contre je refuse. Les mutas là, hop, c'est dehors. Hein. Non. Faut pas exagérer les mecs, hein. Oh. Il y a pas écrit pigeon ici, hein. Donc ça. Tac. Ça, on balance. Alors un Alors le medivac est prêt. Oh putain les VCS qui... Alors ça par contre on va faire vraiment gaffe. Bon ça c'est plus rapide donc. Mais ça prend plus de dégâts.
What the... Ah ouais, ils font ça, ils font des drops. Regardez-moi ça, regardez l'IA, la fourbe, quoi. Tac. Ah là, faut envoyer la sauce, hein. Là, y a pas de miracle, là, y a pas de secret, c'est... Hop. On envoie tous les... Qu'est-ce qu'ils font, hein? Votre évacuation sanitaire est là. Bon, par contre, là, j'ai 12 minutes, donc on va se manier. C'est parti. On va faire d'autres medivac, hein. Voilà. C'est pour un dépôt ou pour un... Ça, bah, ça, voilà, tu t'envoies. Tac, allez, bosser. Pas besoin de Vespen, on s'en bat les steaks. Allez, hop, on envoie. Ça, bah. Prêt à embarquer ? Hop. On va passer par là, on va pas trop se faire couiller, voilà. Mais bon. Là, on peut reprendre la production. Il nous reste 11 minutes. Ça va être chaud patate, les amis. Chaud patate. 11 minutes, j'espère qu'on va réussir sans trop de problèmes. Hein, parce que là, ça va être... Putain, je stresse. Là, 10 minutes, hein. Je vais essayer de me faire... Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Tac. Hop. Allez hop. Champ de minerai épuisé. Non non, il y a déjà trop. Heureusement j'ai pu couper ça, bon. Non, ça tu viens là. On va faire ça comme dans les... OK, bon. Allez hop, la masse medivac. Et on envoie la sauce. Allez hop. Tac tac tac. On est réactif. On envoie tout. On va faire la méthodique. On va remonter gentiment et on va tout péter. Voilà, parce qu'on est des branques. Ok, bon, ça se présente bien. Bon, on a 10 minutes. Va falloir que... Bon, c'est chaud, hein. Cette mission est palpitante. Là, je stresse physiquement. Enfin, intérieurement plutôt, pas physiquement. Parce que... Enfin, c'est complètement con ce que je dis. Bref. Il fait beau, il fait chaud. Bon, alors niveau amélio, ouais, ça peut aller. Bon, on va la lancer pour le LOLs. Déjà, toi, bah. Voilà. Bon. Ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter des... D'accord, bon. On peut rajouter des... Des medivacs pour... voilà, pour les types, quoi. Putain, dans 9 minutes là, faut que je fasse gaffe les gens. Ce qu'on va faire, c'est que ouais, on va aller buter du méchant ici. Prêt à embarquer. Colette, ça serait pas de refus. Je m'en occupe. Les consultations sont ouvertes. Ah bah tiens, j'ai ça aussi. Les consultations sont ouvertes. Ta gueule. Hop. Excusez-moi, hein. Là je m'énerve, mais bon, voilà. Hein. Faut pas me chercher là, hein. C'est bon. Ah, parce que j'ai plein de medivac. Bon, écoutez. Hop. Mission infiltration, les amis. Ça va être... On va essayer de... Ok, bon. On a 8 minutes. On va essayer de... Pour péter ce truc là. Ok, bon. Les amis, c'est parti. Mission... Oh putain, ils en ont partout. Sans problème, central. Allons-y. Écoutez, on va la jouer fino. Passe par là. Ainsi soit-il. Et écoutez, je vais tout déposer en plein milieu. Hein. Je confirme. Allez, on fait ça à la barbare. On va tout Entendu. Déposer ici. Tant que je suis pas attaqué. Hein. Voilà, on va aller par là, voyez. Arrivé dans une minute. Hop, en voilà. Et on pose tout ici. Ah bah voilà. Et on dépose tout là et let's go. Allez, c'est parti. What? Voilà. Ok, bah ça se présente plutôt bien. Je suis désolé si je parle pas beaucoup, hein, bien sûr. On va essayer de voilà d'assurer le coup. Et merde.
Attendez, avant d'y aller complètement, parce que là, apparemment... Ah non, c'est un bâtiment abandonné qui sert à rien. Pas de communicus pendant qu'on est... D'ailleurs, c'est pas normal qu'on puisse le voir, hein, parce que normalement, c'est caché, cette dôme. Qu'est-ce que tu veux, toi? Allez, hop! Allez, hop, on pète tout! Rien à branler! Bon, allez! Tac, voyez, en plus les médivacs ils font leur taf, aucun souci, on enlève ce mucus à la con. On pète ça, surtout ça, vite, 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 vite! Hop, hop, voilà, ça c'est fait. Voilà, c'est bon. On pète cet immonde truc qui ressemble à rien. Tout ça. On pète les corrupteurs là, ça sert à rien, c'est daube. On pète ça, voilà, allez hop! On pète la base histoire qu'ils puissent plus faire de zergling. Tiens, d'ailleurs, tu descends ça. Voilà, hop. Puis voilà. Ça tire, ça tire. Hein, dis donc, on n'entend plus rien. Allez, c'est parti. Un petit stimulant. Oh, un verre de Nidus, on s'en bat. Ah, il y en a deux quand même. Mais c'est bon, regardez, j'ai fini. Ah oui, ah oui, ah oui, mais c'est Bagdad là. Ouais, voilà, c'est bon. Le noyau de données finales a été détruit. Bah oui. Nous devrions évacuer immédiatement. Mais vas-y, évacue. Voyez notre base. Bon, allez, on va faire le finish ici. Allez, c'est terminé, enfin. Très bien, docteur. Ouais, je sais. Pourquoi la reine des lames tient autant à mettre la main sur ses artefacts? Parce qu'elle est conne, et puis elle c'est craint tout. Leur pouvoir, tout comme elle craint les Xel'Naga qui les ont créés. Les Xel'Naga, comme ça, c'est genre allemand version. Des Zerg et des Protoss, commandant. En leur temps, les Xel'Naga étaient des dieux. Ah. Ah, et un au fait, ouais, trouver tous les survivants dans la mission. Ah merde, j'ai pas trouvé tous les survivants. Et encore un au fait. Bon, c'est pas grave, c'était bien, 25 minutes. Bon, ça va, ça a pas duré trop longtemps. Enfin, j'espère que ça vous a plu. Ah, cette mission. Ouh, pas mal l'image. Ouh, c'est swag. Hein. J'aime beaucoup, là, l'effet, genre vitesse et tout. Avec le rayon lunaire. Enfin, soleil. Voilà. Enfin, cette mission, ça m'a stressé à la fin parce que je me suis dit, ouais, en fait... En fait, quand je me suis fait couiller là, les trois medivacs avec le Thor là, putain, j'ai une espèce de stress là intérieur là. Enfin bref, c'est terminé. Attention, cinématique. Oh putain, là c'est en mode cinématique. Hein. Oh, il y a les lags, ah, ça c'est chiant. Je m'excuse vraiment. Hein. Ici Kerrigan. On a neutralisé les Protoss, mais une vague de Zerg approche de nos positions. Oh. Il nous faut une évac d'urgence. Oh, c'est trop bien fait. Oh, c'est swag. Nous partons. Oh, le fils des Schlag. Tous les vaisseaux, pareil à quitter Tarsonis à mon signal. Oh. Oh, 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 putain, mais c'est une mitrailleuse qu'elle a, c'est pas un sniper. Oh, comment elle défonce les Zerg. Oh! Ah ouais, les ultralis, ça a pas la même. Non, c'est les. Ah merde, c'est comment ça s'appelle? Ah, les hydralisques, ouais, c'est ça. Les hydralis, ça a pas la même tronche. Là, c'est plus gros quand même, hein. Regarde-moi cette tronche. Fais gaffe, mec, tu baves. Oh! Oh là là là. Oh putain. Oh, 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 tu sais, genre slow motion et tout, le truc, il se fait démonter la gueule. Ah, plus de munitions. Ça die. Les gars, c'en est où pour les vac? Alors, excusez-moi. Ne faites pas ça. C'est fait. Timonier, transmettez à la flotte. Nous quittons l'orbite. Oh, ah, ah, il est comme ça, lui. Commandeur? Jim? Oh putain, il y a... Qu'est-ce qui se passe là-haut? J'adore, il y a des bombes nucléaires qui explosent, tu sais. Oh putain, pression, là il y a la pression, là il y a la pression. Elle met ses lunettes de vision extra abusées. Ah, il y a des zerglings. Je suis dans la merde. Oh, et là c'est le mode drama activé. N'empêche, elle est belle, hein. Oh, putain, c'est tellement bien fait. Mode drama. Oh, elle lâche l'arme. Oh là 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 là. Sur le silencieux, oh, ça coûte cher ça. Putain, aucun respect, hein. Et putain, les lags aussi. Ah, je suis désolé.
je vous laisse admirer la scène. That sacrifice! Oh, le réflexe de... Putain, ça, ça existe même pas. J'adore le boum, genre au cas où t'étais pas bien réveillé. Je fais souvent le ménage derrière vous en ce moment. Fous-moi la paix, Matt. Encore ce rêve? J'ai dit, fous-moi la paix. Votre faute. Quelle partie, quand on l'a abandonnée? Elle a assassiné 8 milliards de personnes. Oh, les deux, je sais pas, c'est la même chose. Connerie. Vous ne voulez rien entendre. Oh, oh, un caillou. Oh, fallait pas. Oh, c'est trop sympa. Yo. Ah, merde. Est-ce que vous réalisez au moins ce que vous êtes en train de devenir? Oh, genre... On est ce qu'on choisit d'être, Matt. Quand vous ça, aurez choisi, dites-le ça, nous. Ça, c'était la phrase. On vous attend. Na, 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 na. Oh, Marshall. C'est très bon ampli, ça, d'ailleurs. Ça n'a rien à voir, mais... J'avais envie de dire ça. Ouais. 6 heures plus tard. Putain, mais... Il parle rien, ici. C'est pas possible. Ok, bon, on a fini. Nouvelle recherche, réacteur cellulaire. Oh, putain, pas mal. Ok, sur ce, les amis, nous en avons terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Moi, je me suis bien marré. Et donc, je vous dis à la prochaine pour une future mission qui risque d'être aussi complètement abusée, puisque nous ferons la mission de Crystal avec Zeratul. Enfin, bref, portez-vous bien, à la prochaine. Tchou!